éditeurs, donc notre deuxième invité de l'après-midi, c'est Nicolas Mathieu, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est la troisième fois que Nicolas vient donc au festival du Goéland Masqué. La première fois c'était en 2014, la deuxième en 2015 pour effectivement ce prix. Après d'autres prix, mais le prix du Goéland Masqué du premier roman aux Animaux à la guerre. Et cette année, donc, c'est pour cet ouvrage qui est paru donc à la rentrée dernière. Alors, la première question que j'aimerais lui poser, c'est quand même celle-ci. Quelle est la relation entre le thème, éventuellement, entre ces deux livres? Nicolas a écrit autre chose, tout à l'heure on en parlera, mais ce sont les deux principaux ouvrages. Quel est le point commun? Quelle est la transition de l'un à l'autre, Nicolas? Je trouve déjà qu'ils se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire que même si celui-ci, le deuxième, a été publié dans une collection dite de littérature générale ou de littérature blanche, finalement, les deux romans fonctionnent un peu de la même manière, c'est-à-dire comme des romans noirs. Ils prennent prétexte d'une intrigue criminelle pour accrocher l'attention du lecteur, mais ils se proposent de poursuivre un autre projet littéraire, qui est celui de la description du monde, en l'occurrence une petite vallée. Enfin, le programme du roman noir, c'est toujours un peu ça quand même, c'est-à-dire que le crime qui va être commis, la violence qui va déchirer le tissu du monde quotidien et étale, sert d'élément déclencheur pour autre chose qui est la description d'un quartier, d'un milieu social, le portrait d'une femme, d'un homme, etc. Et donc ces deux romans, à leur manière, ils font ce même exercice, ils partent d'un truc criminel assez ténu et qui va servir à décrire comment vivent les gens. Et c'est ainsi que les hommes vivent, voilà, c'est vraiment ça. Et là, c'était une petite vallée vosgienne, et au milieu, une usine fermée. Et à partir de là, tout l'édifice social qui était construit autour se désintégrait, et la violence sociale pouvait devenir de la violence tout court. Et là, c'est à peu près la même histoire, mais avec une ampleur peut-être plus grande. C'est un vol de moto, l'histoire de trois ados, et qui va servir à décrire la vie de toute une vallée, de haut en bas, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de la petite bourgeoisie locale jusque dans les tréfonds de ce monde social-là. Et sur 10 ans, de 1992 à 1998, c'est le portrait d'une vallée, d'une époque, et puis d'une jeunesse qui connaît ses débuts dans un monde qui s'achève, celui de la... Voilà, c'est une vallée qui a connu sa prospérité grâce à l'industrie, à la sidérurgie, et puis les hauts fourneaux sont éteints, la vallée est en train de crever, et eux, ils connaissent le plus fort de leur adolescence à ce moment-là. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un roman sur l'entre-deux, l'adolescence et entre-deux âges. La région, la vallée, c'est une région périphérique, on en a souvent parlé, et les années 90, ma foi, effectivement, n'ont jamais été explorées de cette façon-là dans la littérature. Alors, justement, ces adolescents, en fait, ce qui les caractérise, effectivement, il y a un héros qui s'appelle Anthony, il a une ouverture extrêmement... ouverte sur le monde, il fait beau, c'est l'été, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On va voler un canoë. Oui, et d'ailleurs, peut-être le lien le plus fort entre les deux livres, c'est que dans le premier, il y avait déjà un duo d'adolescents qui était apparu en cours d'écriture, sans que je l'ai vraiment décidé, mais vraiment, quoi, un peu par génération spontanée. C'est une histoire qui m'est chère, l'histoire d'un petit mec qui aime une fille qu'il n'arrivera jamais à choper, quoi. Et en tout cas, on sent que pour lui, ça va être compliqué d'arriver à ses fins. Et c'est sur ce canevas-là que le deuxième roman se construit. Au début, Anthony a 14 ans, il s'ennuie, un après-midi de canicule, il vole un canoë pour aller sur la fameuse plage des Cunus, enfin qui est nommée comme telle, et où il espère un petit peu d'action malgré tout. Et à l'arrivée, il n'y aura pas de Cunus, mais il y aura Steph. Et là, c'est le malheur d'aimer qui commence, quoi. Et ce sera l'un des deux fils conducteurs du roman qui fonctionne un peu sur deux rails. Hein. Le rail d'une histoire d'amour comme ça qui court sur une dizaine d'années.
relativement à sens unique, il faut bien le dire. C'est-à-dire que Anthony aime très fort une fille dont on sent bien qu'elle est un peu au-dessus de ses moyens. Et pourtant, ils vont réussir à faire l'amour à un moment. Spoil pas mon histoire. Non, mais là, qu'est-ce que ceux qui n'ont pas lu le livre? Ah bah déjà, pour eux, c'est cuit. Ah bah ouais, quand même. Parce que le grand enjeu dramaturgique du roman, c'est ça. Est-ce qu'Anthony va pécho ses manies? Non mais, on va en trouver d'autres pour compenser. Alors effectivement, il y a un autre rail dans cette histoire, c'est celui de la haine et de la colère. Et c'est une histoire de... Voilà, Anthony a emprunté une moto et cette moto va disparaître. Et à partir de ce début presque fait divers, un vol, trois fois rien, il y a tout un échafaudage qui va s'effondrer. Une série de comme un jeu de domino en fait, une pièce en faisant tomber une autre, et la potentialité de violence va s'accroître immensément au cours de cette décennie. Et pourtant en fait la construction du récit en fait elle est faite par petites touches successives, donc c'est de deux années en deux années, et on voit ces années 90 avancer dans le temps. Pourquoi ce choix des années 90? Parce que, tout à l'heure je le disais, elles sont laissées souvent en marge, de côté, entre des années 80 que l'on juge décisives, de grandes transformations géopolitiques, économiques, et latent millénariste du 21e siècle. Les années 90, souvent, on n'en parle pas. Ouais. Mais même quand on y vivait, on n'en parlait pas. Enfin, je veux dire, on avait l'impression que c'était que l'histoire était jouée, le mur de Berlin s'était effondré. Fukuyama avait écrit la fin de l'histoire. On avait l'impression que voilà, les sociétés libérales démocratiques allaient vivre indéfiniment dans une paix définitive. Ouais. Et puis deux tours sont tombés à Manhattan et tout le monde est revenu à la raison. En fait, il y avait encore de l'histoire à vivre. Mais dans cet intervalle, cette parenthèse-là, on a eu l'impression d'une certaine... on pourrait même citer 20 événements historiques qui contredisent ce que je dis, mais quand on y a grandi, il ne s'y passait pas grand-chose quand même. Et c'est vrai que cette époque convenait bien à la description de ce que c'est l'adolescence, parce que l'adolescence, c'est un peu un moment comme ça, charnière, de langueur, d'ennui, on ne sait pas très bien quoi faire de sa peau. Et en même temps, de manière sous-jacente, il y a plein de choses qui sont à l'œuvre et qui préparent la suite, c'est-à-dire l'avenir d'homme ou de femme qu'on aura, l'âge adulte, quoi. Alors ça, c'est les justifications théoriques que je fais a posteriori. Il y a peut-être une explication moins glorieuse et plus simple, c'est que pour parler d'adolescence, je me suis dit que caler le bouquin sur la mienne, c'était plus facile. Parce que aujourd'hui, enfin voilà, c'est une histoire d'amour entre ados, il n'y a pas un seul téléphone portable. Aujourd'hui, évidemment... toute cette histoire serait pleine de sextos et de petites images. Voilà, l'économie libidinale de l'adolescence a complètement changé avec le numérique, internet et les téléphones. Et moi, j'ai préféré raconter une histoire qui était plus proche de moi. Ça m'était plus simple de le faire comme ça. Mais justement, ces années 90, l'adolescence, est-ce que tout n'est pas joué d'avance? Parce que les années 90, si on reste dans le domaine, par exemple, de la culture et du cinéma, c'est aussi les débuts de Desplechin. Et Desplechin commence par un film, qui s'appelle, un moyen-métrage, La vie des morts. Et ensuite, il poursuit par La Sentinelle. Cyril Collard fait Les Nuits Fauves. Est-ce que ces années 90, finalement, ne comportent pas, quelque part, cette idée, en fait, de l'incapacité d'avoir un horizon avec une mort qui traîne? Pour moi, peut-être le film le plus emblématique de cette période-là, c'est Un monde sans pitié, dedans Hippolyte Girardot qui dit qu'est-ce qu'on a maintenant? On ne peut plus rêver en la Révolution, le grand soir s'est terminé, qu'est-ce qu'on a espéré? Le marché commun, on n'a plus qu'à s'aimer comme des cons. Voilà. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que les grands desseins sont abandonnés, il reste de l'humain quoi, pour vivre. Après, les personnages, eux, ils font pas d'analyse géopolitique, quoi. Ils essayent d'avoir leur part du gâteau, ils essayent de vivre le plus fort possible, ils essayent surtout de s'arracher à cette vallée. C'est-à-dire que
le roman, il est tendu par deux forces contradictoires qui il y a une énorme force d'inertie, les conditions sociales dans lesquelles ils sont nés, les uns et les autres, cette vallée dans laquelle ils sont pris, où il n'y a plus vraiment beaucoup de richesses ni de travail, la prospérité s'en est allée. Et puis même ce climat, ces étés hyper faisants, cette chaleur qui est comme une pâte dans laquelle ils sont englués. Et face à ça, cette inertie, ils essayent d'opposer l'allant de leur jeunesse, la vitesse des motos, la puissance du désir. Et c'est ça, quoi. C'est comme des... Vous savez, les attractions foraines où on a des boules en métal avec des motards qui tournent à toute vitesse. C'est un peu ça, quoi. C'est produire le maximum de vitesse possible dans un espace clos. Effectivement, bon, cette vallée, elle est en pleine crise économique et sociale. À la page 17, il y a un passage. Les hommes parlaient peu et mouraient tôt. Les femmes se faisaient des couleurs et regardaient la vie avec un optimisme qui allait en s'atténuant. Une fois vieilles, elles conservaient le souvenir de leurs hommes crevés au boulot, au bistrot, silicosés, de fils tués sur la route, sans compter ceux qui s'étaient fait la malle. C'est aussi une langue, Nicolas Mathieu. Hein? Alors d'où vient un message d'espérance? Ah. Ouais, mais on pourrait en prendre d'autres, hein, parce que là, c'est qu'un petit exemple. Hein. Non, mais justement, alors, il n'est pas innocent que tu utilises cette langue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Pourquoi c'est cette langue? Quel est le rôle de la langue? Quel est le rôle des mots dans le livre? Alors, le style, c'est compliqué, puisque c'est de ça dont on parle, du style, parce qu'en fait, c'est la chose la plus importante et quelque part, c'est la moins délibérée de toutes. Donc, l'analyse que je peux faire de mon style, je le fais rétrospectivement, j'exerce pas une maîtrise, je fais un peu ce que je veux. Et la langue qui se construit à travers moi quand j'écris, c'est celle-là. Et si j'essaye de l'analyser rétrospectivement, je me dirais que... elle me ressemble, c'est-à-dire que c'est une langue qui alterne des registres de langage très différents, parfois un langage très commun, très prosaïque, au ras du sol, et puis à d'autres, une langue qui est beaucoup plus enlevée, voire savante, et ces allers-retours qui sont parfois même dans une même phrase... ils correspondent un peu à ma position dans le champ social. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'un milieu relativement populaire, en tout cas dominé culturellement. Et puis que, à force de lecture, d'études, d'écriture, et puis maintenant que je suis riche, je suis passé dans un autre monde. Et, et finalement, ces allers-retours... Enfin voilà, je me retrouve suspendu entre deux mondes, n'appartenant plus à celui d'où je viens, ne pouvant pas appartenir à celui où je suis arrivé parce que je n'y suis pas né, et mon écriture, elle ne cesse de faire des allers-retours qui coïncident avec ma position dans le champ social. Et puis, il y a les héritages dans lesquels je m'inscris. Alors, ce serait quoi? Il y a quand même Céline, très fort, c'est-à-dire l'idée de regarder ce qu'il y a de noir en nous et dans le monde et de le dire avec un style qui transmet des affects les plus puissants possibles. Jean-Patrick Manchette aussi. Alors, un côté un peu... Jean-Patrick Manchette, il faudrait faire ça de la généalogie de son style à lui. Lui, il vient de Vaillant, il vient du 17e, Laclos, etc. C'est un style français quand même qui est assez sanglé, qui écrit à coup de fouet, ouais. Avec une recherche des effets de percussion. Mais c'est un petit peu ce que tu recherchais aussi dans ce roman. Les mots sont un combat, en fait. Ah oui, alors bon, ça c'est autre chose, mais oui, enfin, moi j'ai une vision martiale de l'écriture. C'est-à-dire que beaucoup de gens parlent de la littérature comme une manière de célébrer la vie, moi honnêtement, c'est pas pour célébrer la vie, c'est pour lui faire la guerre. C'est-à-dire que j'estime que la vie, ce qu'elle nous fait, la manière dont elle se termine notamment, c'est voir ses parents vieillir, aimer sans retour, tout ce qui va nous échapper, ce que le temps fait à notre corps, etc. C'est d'une brutalité qui est extrême. Et on n'a pas le choix. Et en posant des mots là-dessus, en produisant du texte, en disant le réel, j'ai l'impression de rendre des coups, de plus le subir de la même manière,
de produire une intelligence du monde qui me désaliène ou quoi. Voilà, j'ai l'impression de moins subir. Donc, oui, écrire, c'est faire la guerre à l'état des choses. Il y a un célèbre roman il y a plusieurs, mais Manchette, dans La position du tireur couché, il disait que lui-même que son scénario était complètement con, mais son vrai travail était effectivement sur le style et sur les mots. Hein, et c'est... Alors je ne dirais pas que ton scénario est complètement con. Oui, je commençais à mal le prendre. Voilà. Non, c'est pas ça du tout. On reste dans cette idée de l'importance de l'écriture, et également il y a la construction. J'ai trouvé personnellement que c'était une construction qui était très cinématographique, avec des séquences alternées, avec des gros plans, avec des plans d'ensemble. Au contraire, tu peux un petit peu nous... Alors, moi je suis très cinéphile, je regarde pas mal de séries aussi, j'ai écrit des scénarios, donc tout ça compte évidemment beaucoup, beaucoup. Et ce roman, il se passe sur 4 étés, avec cette histoire d'amour et cette histoire de haine qui traverse le temps de 1992 à 1998. Et on pourrait faire une analyse presque du bouquin comme une série télé, avec une série qui s'étale sur 10 ans, deux arches narratives, l'histoire d'amour avec Steph, l'histoire de haine avec Hassine, des saisons, mais ils étaient. Et puis dans ces saisons, des épisodes, chaque chapitre qui alterne avec des personnages différents et puis des enjeux locaux, comme on dit. Donc effectivement, il y a une construction qui ressemble un peu au feuilleton, on va dire. Et comme Manchette, ce fonctionnement-là, cette intrigue, cette construction-là, finalement, pour moi, elle est seconde. Ce qui va compter vraiment, c'est ce qui passe derrière en contrebande, c'est-à-dire le style, une vision du monde et des personnages. Voilà. Comment tout ça prend forme, quoi. Alors, en revanche, les changements de focale dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les gros plans, plans larges, c'est-à-dire qu'on peut prendre beaucoup de temps à... Qu'est-ce que c'est que l'effet de la chaleur sur une peau? Une goutte de sueur entre un nombril et un élastique de maillot de bain. Pour Anthony, ça prend beaucoup de place, hein, ce genre de choses. Et donc, on est vraiment tout près des personnages. Et puis, il y a d'autres moments où c'est presque de la peinture à fresque, en fait, où on a un plan large sur toute la vallée. Il y a un 14 juillet comme ça. Et ça, finalement, c'est peut-être moins le cinéma que l'héritage des réalistes du 19e siècle ou des naturalistes, que ce soit... Flaubert fait ça très bien. Hein, quand on parle de la casquette de Charles Bovary et puis après des Comices agricoles, on voit bien que c'est pas du tout la même échelle de plan. Ou des peintres comme Courbet ou Friant aussi. Friant, il y a un fameux tableau à Nancy où il représente un enterrement. Et là, on a toute la société d'une ville qui est... Et Courbet aussi a fait ça, avec des portraits. Alors, on a ça, le désir de raconter le monde au plus près et au plus large. Du micro au macro, du détail au cosmique. Oui, et c'est quand même plus Flaubert que Zola. Ah oui, alors pour moi, oui. Ben je suis beaucoup... Alors, ça se fait pour une chose, c'est parce qu'il y a un... Alors, vous savez que Flaubert prétendait être objectif et d'avoir une écriture assez neutre, un style très travaillé, mais d'être absent de son œuvre. Or, c'est pas vrai du tout, on sent tout le temps où sa tendresse, où son ironie latente pour les personnages. Il me semble que la manière dont moi je fais le truc, ça ressemble un peu à ça aussi. C'est que j'ai bien peur d'être très présent malgré tout dans ce que je fais et qu'on sente aussi un peu d'ironie comme ça et de causticité tout le temps. Heureusement parce qu'on rigole pas à toutes les pages. La fin des années 90, on peut le dire peut-être sans spoiler, c'est en fait une période aussi de mutation où cette ville imaginaire, mais tu t'es inspiré d'une autre ville lorraine, et d'ailleurs on devine incontestablement dans le nom forgé la ville d'origine, il y a une forte mutation quand même économique et sociale. Dans les paysages urbains, est-ce que tu... On peut dire comment les paysages évoluent, parce qu'on va arriver à l'actualité progressivement. On arrive à l'actualité... voilà. En tout cas, les années 90, telles que je les traite dans le bouquin, c'est le passage d'une organisation sociale autour des usines, en fait, avec un prolétariat
qui est actif dans des endroits où on travaille à 1000 ou 1500 mecs. Et puis, l'emploi est à côté de chez soi, il y a le paternaliste, les patrons qui font construire des lotissements, etc. Et puis un jour, ce travail disparaît, la valise meurt, et là, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Alors, il y a du travail transfrontalier, par exemple. On voit apparaître des travailleurs qui font les allers-retours entre là où ils dorment et là où ils travaillent. Il y a aussi les lotissements qui poussent, qui prennent des couleurs fuchsia, saumon, etc. Comme dans les films de Jacques Demy. Un peu. Alors ouais. Oui, je trouvais qu'effectivement, il y a un côté carton-pâte, je trouve, effectivement, dans le bâti village résidentiel. Village Trumpf, un petit peu. Parfois, un peu. Et puis des endroits un peu déments quand on y pense, ces grandes zones commerciales avec des enseignes partout, un McDo, un Carrefour, un Samaclou, des ronds-points au milieu, et tout le monde va dépenser là pendant le week-end l'argent qu'il a gagné pendant la semaine, c'est assez fou quoi. Et tout ça, je pense que ça s'est intensifié quand même à cette période-là quoi. Et puis voilà, les années 90, ça se termine avec deux tours qui tombent et une Coupe du Monde qu'on gagne. Mais en fait, ce n'est pas la finale dont tu parles, c'est la demi-finale. La demi-finale où... En fait, dans le bouquin, je passe quand même beaucoup de temps à montrer ce qui sépare les gens, les distinctions sociales, les différentes classes, les... Et puis il y a quand même des moments dans la société française et dans toute société où il y a des moments de fusion, où la société qui est faite de plein de fragments, tout à coup tend à ne faire plus qu'une. Elle a une espèce de pulsion régressive où elle voudrait ne voir plus qu'une tête, quoi. Et par exemple, il y a l'exemple de la 14 juillet ou de la Coupe du Monde de 1998, où d'un coup, il n'y avait plus de problème, tout le monde était réconcilié. Alors c'était bref, hein. Fallait être sur le coup. Mais est-ce que c'est pas un peu du pipeau ça là ? Alors attends, parce que justement, c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de... Enfin j'ai préféré parler de la demi-finale, parce qu'il y a un côté un peu miraculeux dans cette demi-finale. Si vous vous souvenez bien, et si vous êtes de bons patriotes, vous vous en souvenez. C'est la Croatie qui ouvre le score. La France est douchée, et derrière, en deuxième mi-temps, assez vite... Le seul mec qui avait jamais marqué de sa vie va planter deux buts de cet affilée, c'est Lilian Thuram. Et lui-même, il y a une image, on le voit. Il sait bien que ça ne pouvait pas se produire. Et ça s'est produit. Et ces moments de fusion nationale, c'est la même chose, ça n'existe pas et pourtant ça arrive. Voilà. Et alors c'est des moments un peu magiques, mais d'illusion collective totale. C'est-à-dire que très vite, retour à la réalité. Il nous est arrivé la même chose au moment de Charlie. Alors là, tout d'un coup, on a été pris d'un grand truc. Mais au lendemain, toutes les tensions. Anthropologiquement, une société, elle est tramée de tensions, d'intérêts contradictoires. La démocratie, ça sert justement à produire des articulations et des compromis. Mais à la fin des fins, on ne sera jamais, et grâce à Dieu, tous d'accord, quoi. Et donc ces moments de fusion, c'est à la fois beau et un peu inquiétant, parce que c'est régressif. C'est comme si on voulait revenir en psychanalyse, comme quand on veut revenir dans le ventre de sa mère, quoi. D'un temps d'avant le conflit. Oui, mais justement, est-ce que cette idée d'une France black, blanc, beurre, ce n'est pas plutôt une construction des médias dominants, plutôt qu'une réalité, ne fût-ce qu'un instant? Parce que à part Zinedine Zidane, quels sont les beurres qui ont joué en équipe de France? Mais je pense que c'est plus qu'une construction des médias, je pense que c'est un phénomène social. C'est-à-dire que... Il se produit un truc, on gagne une Coupe du Monde, et la victoire produit des significations auxquelles tout le monde à un moment va adhérer. Vous voyez, regardez un billet de 10 euros. Tous, nous adhérons au fait que ce bout de papier a une valeur de 10 euros. Mais il suffirait que notre foi disparaisse pour qu'il ne vaille plus rien. Eh bien, le phénomène Black Blamber, c'est la même chose. C'est un phénomène qui avait besoin de notre foi pour exister. À partir du moment où on n'y a plus pensé, ça a cessé d'être. Voilà. C'est alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des illusions collectives, mais en tout cas, c'est des moments où on se met d'accord sur des définitions et qui sont fondées en fait sur pas grand-chose de concret.
En fait, en matière d'illusion collective, je dirais que ce sont toujours les mêmes qui s'en sortent, parce que si tous ces jeunes veulent quitter la ville et la région, seulement certains le pourront, et ce n'est pas n'importe qui. Mais là, tu spoiles encore mon histoire. Non, mais ça, c'est important parce que c'est dans le titre de notre communication. Je reviens à la phrase de communication. Assignés à résidence, tous ne mourront pas. Ouais. Effectivement, le roman, il s'interroge. Je vais prendre un autre type de récit. Les tragédies antiques et même modernes. Elle raconte toujours des héros qui ont affaire au destin. C'est une force aveugle qui s'impose à eux et face à laquelle ils ne peuvent quasiment rien. Ils ont une petite partie de liberté et puis le destin, la fatalité, organise leur existence. Mais le monde social, qu'on le veuille ou pas, ça marche un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'en réalité, en général, on ne meurt pas très loin de là où on est né. On ne fait pas des sauts gigantesques dans l'espace social, on ne passe pas d'une classe à deux classes au-dessus, on ne se marie pas en général avec des gens qui sont en dehors de notre classe sociale non plus. L'exogamie en France c'est 4%, hein, c'est-à-dire que dalle en fait. Donc voilà, la société elle est assez fixe. Et chacun peut avoir le désir de s'arracher à sa condition, de progresser, mais tout le monde ne peut pas y parvenir. Alors, ça a un côté un peu lourd de le dire comme ça, mais en même temps, ce qui est rassurant, c'est qu'on peut mener une vie absolument digne et qui vaille le coup d'être vécue en restant à sa place d'origine. Ça n'a pas de rapport. On n'a pas besoin de vivre une success story pour que notre vie vaille le coup d'être vécue, quoi. Effectivement, ces gamins-là, ils veulent tous quitter cette vallée. Aucun d'entre eux n'a envie de reproduire ce que ses parents ont fait avant eux. Et tous n'y parviendront pas, quoi. Ceux qui y parviendront, c'est que soit qu'ils ont compris comment fonctionnait l'école, soit qu'ils appartiennent à des milieux qui sont favorisés et dont ils vont se servir comme tremplin. Oui, alors justement, parlons un petit peu de l'école, parce que incontestablement, il y a des réflexions sur l'école. L'école permet de s'en sortir à condition qu'on maîtrise les codes. Mais le grand problème pour la plupart de ces adolescents de la vallée, c'est que les codes, ils ne les maîtrisent pas. Et lorsque leur orientation se présente, on les conduit tout naturellement vers des séries qui les conduisent à la marginalisation sociale. La littérature, elle peut faire bien des choses, elle se propose des programmes et des missions diverses, mais il me semble que une des possibilités de la littérature, c'est d'être un outil de démystification. Alors là, Flaubert a fait ça comme personne. C'est-à-dire que quand l'idéologie humaniste républicaine qu'on voit à l'œuvre chez Homais, par exemple, le travail de démystification de ça que fait Flaubert est éblouissant. Eh bien, l'école, c'est un peu pareil. Elle se mystifie elle-même, elle se paye en fausse monnaie, elle se raconte des histoires. Elle raconte une histoire qui est que si on veut, on peut, qu'on mérite, tout le monde progressera. Qu'elle est un instrument d'émancipation et de réalisation de soi. C'est ce qu'elle se raconte, et c'est ce qui est au fronton des écoles, et c'est le projet républicain de l'école. Dans les faits, c'est pas si simple. Et quand on regarde les études sociologiques, quand on voit le parcours des gens, quand on regarde les chiffres, les données, en fait on se rend compte que c'est une énorme usine à reproduire les positions sociales. Que les enfants de gens modestes resteront modestes, que les enfants de bourgeois resteront bourgeois, etc. Ça fonctionne quand même comme un aiguillage. Permet de trier. Et en général, c'est ceux qui ont inventé le truc qui comprennent comment... Absolument. Moi, je peux vous donner un exemple personnel. Moi, mais je viens d'une... mes parents n'ont le bac ni l'un ni l'autre. Mon père a arrêté l'école à 14 ans, ma mère à 16. Et dans les années 80, il me disait que si tu travailles bien, tu iras peut-être au lycée. Donc, alors que 80% d'une classe d'âge avait le bac déjà. Hein. Donc ils fonctionnaient avec des codes qui n'étaient pas les bons au moment où moi j'agissais et qui ont eu une incidence sur mes choix académiques et scolaires et qui m'ont fait prendre des...
par exemple, on me disait, si tu fais des études supérieures, tu auras du travail, alors qu'on savait que l'université produisait déjà du chômage de masse depuis de longues années. Donc voilà, selon la connaissance qu'on a du fonctionnement exact de ce que c'est que l'école, on va en tirer des bénéfices ou pas du tout. Je pense que c'est le bon moment de vous demander si vous avez des questions. Attends, non, il faut que tu viennes prendre le micro, Marie. C'est le premier micro. Ah, pardon. Alors c'est le premier micro, par contre, qu'il faut que tu prennes. Excuse-moi, je... Moi, c'est une question de l'ordre du domaine sociologique, mais plutôt par rapport à la construction du roman. Pour en avoir parlé ensemble il y a quelques années, Nicolas, tu m'avais dit qu'aux Animaux de la guerre, tu l'avais d'abord écrit dans une première mouture et qu'ensuite tu l'avais réécrit parce que tu trouvais que la construction que tu avais prise ne fonctionnait pas. Et là, est-ce que donc, leurs enfants après eux, cette narration chronologique est venue immédiatement ou pas? Alors oui, j'avais l'envie de que le récit ne se passe qu'en été et qu'entre chacun de ces étés, il y ait deux ans, des ellipses en fait. Et alors pour plusieurs raisons, parce que mon projet initial, plus qu'un roman sociologique, c'était quand même de faire un roman d'apprentissage. Et qu'un roman d'apprentissage, son matériau premier, c'est quand même le temps qui passe. Et qu'en faisant ces écarts entre mes étés, ces ellipses, ces deux ans qui passent sans qu'on sache ce qui s'y est passé, c'est une manière de figurer ce temps qui passe. Et à chaque fois qu'on retrouvait les personnages, on voyait qu'ils avaient changé, qu'ils avaient été affectés par des événements, par des rencontres, par le temps qui passe, dans leur peau même, quoi. Et que ce dispositif servait à ça. Et puis parce que dans le premier roman, je m'étais rendu compte d'un truc aussi, c'est que l'écriture, ça sert, elle n'est pas seulement forte par ce qu'elle dit, ce qu'on fixe par des mots, mais aussi par les vides qu'on va détourer. Et tout ce qu'on va laisser en creux, comme dans de la dentelle, en fait la dentelle ça sert à détourer des vides, eh bien c'est un appel à l'imagination du lecteur, on le convoque pour qu'il produise des univers un dehors, un hors-champ, voilà, comme au cinéma du hors-champ. Et à ce moment-là, plus on va ménager les vides comme ça de manière un peu fine, plus le livre va prendre de l'ampleur, parce qu'il devient comme le monde, immense et inconnaissable dans sa totalité, et que la lecture le construit avec nous, en fait. Et cette construction-là, c'était ça l'objectif. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Alors, c'est celui-là, si vous voulez vous approcher. Alors, excusez-moi, je reviens sur votre premier ouvrage. J'aurais aimé que vous nous donniez la signification, enfin moi en tout cas, du titre Aux animaux la guerre, et que vous nous commentiez un petit peu le pourquoi de cette appellation. Alors, Aux animaux la guerre, c'est emprunté aux animaux malades de la peste de La Fontaine. Quand je bossais sur ce roman, c'est un roman qui parle de la crise des subprimes en 2008. Et moi, à ce moment-là, je faisais un job où j'ai assisté à beaucoup de plans sociaux et j'ai vu des pans entiers de l'industrie française et même des services se casser la gueule en direct suite à cette crise qui avait commencé aux États-Unis. Et le sentiment que j'avais, c'est que tous n'en mourraient pas, mais tous étaient frappés, comme dans les animaux malades de la peste. Et puis, il me semblait aussi que les effets... les impacts, comme on dirait avec un mot ignoble aujourd'hui, les effets de cette crise, ce n'étaient pas du tout les mêmes selon qu'on était puissant ou misérable. Cette crise, elle avait commencé à Wall Street, dans des tours en verre, avec des mecs qui avaient porté des costumes à 2 000 $, qui avaient fait de la titrisation, c'est-à-dire des actifs pourris dans l'assurance, quoi. Et eux, finalement, pour la plupart, ils s'en sont sortis. Et moi, à 5000 bornes de là, dans des usines dans le nord de la France, je voyais des pauvres types en bleu de travail perdre leur job. Donc il me semblait que ça disait... Et puis à la fin, ça se termine par haro sur le baudet, c'est qu'il faudra bien trouver un bouc émissaire, quoi. Donc ce titre, d'une manière qui n'est pas explicite, c'est un signe, en fait. Un roman, il faut voir ça comme un millefeuille de signes. À la première lecture, on n'accédera pas forcément à tous. Puis selon sa culture de lecteur et sa culture en général,
on verra des choses où on ne les verra pas. Il y a plusieurs niveaux, quoi. Ce titre-là, il disait déjà quelque chose de la grille de lecture possible. Avant le concours, ça place très très haut. Est-ce que vous, ça, quel impact sur vous? Est-ce que ça vous fragilise ou est-ce que ça vous stimule pour la suite, je veux dire? Bah, ça me stimule, ça dépend pourquoi. Pour écrire, pas trop. C'est un cadeau empoisonné, un peu, le concours. Parce que à la seconde où vous l'avez, vous savez que vous n'allez pas écrire pendant un an. Et que quand ça m'est tombé dessus, c'était vraiment très inattendu. Et une fois la surprise et la joie passée, j'ai tout de suite été assez inquiet, en fait, en me disant, mais... quand est-ce que je vais pouvoir réécrire? Est-ce que ça ne va pas être trop de pression? Si ça rompait une trajectoire d'écriture, si ça la cassait en deux, et c'est arrivé à des auteurs, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Moi j'ai une inquiétude, mais pour l'instant, le seul moyen de la surmonter, ce sera d'écrire. Et comme je suis là avec vous, je ne le peux pas. Par contre, vous trouverez donc, quand vous irez donc en visite à Nicolas tout à l'heure, il y a un recueil publié par l'excellente maison qui s'appelle Au Diable Vauvert, avec des contributions, ce ne sont pas seulement des nouvelles, ce sont des textes tout à fait différents, avec des auteurs comme François Bégaudeau, Alain Damasio, Jean-Paul Delfino, Annie Ernaux, Patrick Grénal, Serge Cadopani et Nicolas Mathieu, qui ouvre ce livre, suivi d'ailleurs d'Annie Ernaux, et je trouve que c'est un joli clin d'œil que l'éditeur t'a fait. Et je voulais demander à Nicolas s'il veut bien nous lire cette courte nouvelle. Donc ce livre, il faut déjà peut-être un peu le situer, c'est-à-dire que... il y a eu depuis plusieurs mois le plus grand mouvement social qu'ait connu la France depuis plusieurs décennies. Et il se produit, comme à chaque fois qu'il y a un événement historique, une bataille d'interprétation par rapport à cet événement. Les commentateurs ont pu considérer que c'était une pulsion fascistoïde d'une France abandonnée. Et puis d'autres gens, comme dont je suis, considèrent non, que c'est des gens qui défendent des intérêts légitimes, qui sont les leurs, et qui ne se sentent pas représentés et plus écoutés depuis très longtemps, et qui ont employé d'autres moyens, et qui ont surtout qui se sont repolitisés et qui ont réinventé des solidarités en acte. Donc voilà, qu'est-ce qu'un romancier, dans cette bataille d'interprétation, peut produire? Quelle intelligence du monde il peut, à quoi il peut s'essayer? Il me semblait, moi, que dans la description des Gilets jaunes, on ignorait beaucoup les gens, en fait. On en parlait comme d'une masse indistincte sur laquelle on faisait tomber des jugements à l'emporte-pièce. Alors, ce qui m'a semblé intéressant à un moment, c'est des questions que je me posais à moi, vraiment, quoi. C'est de donner un visage à un gilet jaune, par exemple. Alors, ça donnait ce petit texte. Cette vie, elle ne l'avait pas voulu. Et au fond, ça n'avait pas tellement d'importance. Chez elle, tout le monde ou presque faisait son chemin comme ça, de la maternelle au bac, un job, le mariage, le môme, les vacances, l'eau chante samedi, le dimanche dans sa belle famille. Avec un peu de chance, et si le banquier était d'accord, on se faisait construire une petite maison un peu loin, un crédit de plus. Il y avait déjà les deux bagnoles, le scout du grand qui allait au lycée pro à 25 bornes, et puis c'était l'aime, parce que les machines à laver crèvent toujours en même temps, que la chaudière, c'est une règle. Cette vie, elle s'était dévidée vite en somme, épuisante et belle, continuellement contrainte, renier ou debout, mais le mégotage n'empêche pas le bonheur. Bien sûr, les mecs faisaient chier, le mari qui ronfle les rouspettes, les mains baladeuses, les chefs qui coupent la parole, les gamins qui, dès 15 ans, sont d'épouvantables petites brutes et qu'on attend la nuit, les yeux grands ouverts dans son lit, parce qu'ils osent on ne sait où en fumant des bédos et en enquillant des vodka Red Bull. Mais c'était sa vie, en somme. Elle avait sa part, des baisers derrière le gymnase du bahut, une culotte qui glisse, le petit qui mange le dentifrice au lieu de se brosser les dents, son feuilleton sur la 3, les copines pour faire des tours en ville, pas souvent mais quand même. Seulement il s'était produit ça, sur ce rond-point. Elle avait connu autre chose. Un déchirement dans la toile uniforme des jours. Et soudain, ce sentiment de poisse,
cette main sur sa nuque, la résignation qui lui tenait lieu de sagesse s'était évanouie. Depuis, elle avait beau faire, une impression de grand écran ne la quittait plus. On pouvait les traiter tous de fachos, d'ignards, de salauds, et après. Jamais une injure ne pourrait rien contre cette vie ressuscitée. Jamais leur beau discours ne lui ôterait cette découverte. Elle s'appartenait. À présent, elle était lasse, abattue, elle avait peur. Le vent tournait, mais elle était sans regret. Je ne sais pas très bien comment le présenter, mais dans un salon pas très loin d'ici, à Lamballe, un jour, Marc Villard, profitant de mon état d'ébriété, m'a demandé de lui faire une nouvelle que je lui ai écrite, donc une novella, et qui sortira à la rentrée prochaine en octobre, qui s'appelle Rose Royale, et qui est une histoire d'une femme d'une cinquantaine d'années. Qui fréquente un établissement de boissons qui s'appelle Le Royal. Elle pense que sa vie est finie et qu'il n'y a plus que ça à faire. Sauf qu'un jour, un mec déboule. Voilà. Et ce mec, est-ce qu'il lui fera du mal comme les autres ou est-ce qu'il la sauvera? C'est toute l'histoire de la nouvelle. Ne spoilons pas. Voilà. En tout cas, merci Nicolas. Merci à vous.